Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne KDDIJ française. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment récupérer les vidéos et photos sur divers drones, que ce soit le DJI, le Mavic, le Spark, l'Osmo ou bien le Pocket. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo et sur son passe aux explications. Si vous faites un long tournage avec votre drone et que vous avez une seule carte SD, il est fort possible qu'un certain temps vous avez rencontré des problèmes avec la carte SD, que ce soit qu'elle est endommagée, infectée de virus ou bien formatée intentionnellement. Le drone s'est écrasé, il se peut que vous avez mal conduit le drone. La carte SD est endommagée, formatage de la carte SD, vos données sont écrasées et votre carte SD est vide. Un virus au niveau de votre carte SD peut entraîner la perte de vos données. Premièrement, utilisez le logiciel de récupération de données KDDIJ pour récupérer les vidéos photos du drone. Le logiciel de récupération de données TenorShare KDDIJ compte plus de 10 millions d'utilisateurs et peut récupérer les vidéos photos du drone DJI et plus de 1000 types de formats à partir du disque dur, carte SD, clé USB et des appareils photo numériques et autres dispositifs. KDDIJ peut accéder au secteur de stockage de la carte SD du drone sans endommager la vidéo. Il peut trouver la vidéo originale du drone et la restaurer. Je vais mettre le lien dans la description si vous voulez télécharger le logiciel. Voici l'interface de ce logiciel. Vous connectez votre carte SD et vous la sélectionnez directement sur le logiciel. On va cliquer dessus et on va cliquer sur « Analyser ». On va sélectionner le type de données qu'on va récupérer. Je vais sélectionner les photos et vidéos, puis je vais cliquer sur « Analyser ». L'analyse va commencer, ça prend un petit peu de temps. À la fin de l'analyse, vous pouvez sélectionner les fichiers que vous voulez récupérer. Je vais sélectionner les vidéos et les photos. Puis on va cliquer sur récupérer. Puis on va choisir le dossier pour récupérer les fichiers. Et comme tu peux le voir, on a pu récupérer tous les fichiers qu'on souhaite. Deuxièmement, utilisez DJI Go pour récupérer les vidéos du drone. Les pertes vidéo ne sont pas étrangères aux utilisateurs du drone DJI. Par conséquent, DJI s'est déjà préparé à une telle situation. L'application DJI Go conserve le cache vidéo du drone. Ouvrez votre application DJI Go et cliquez sur « Éditeur » en bas de l'interface. Sélectionnez les photos vidéo du cache que vous souhaitez restaurer. Si vous réussissez à restaurer la vidéo sur un drone DJI grâce à cette méthode, mais que vous constatez que la vidéo a été endommagée, voici comment réparer une vidéo endommagée d'un drone. Pour ce faire, exécutez toujours le logiciel KDDIJ et sélectionnez « Réparation vidéo » dans la colonne de réparation « Avancée ». Et cliquez sur « Commencer ». Cliquez sur « Plus » pour sélectionner les vidéos qui doivent être réparées. Après avoir sélectionné, cliquez simplement sur « Réparer » et KDDIJ commencera à réparer la vidéo. Une fois la réparation terminée, KDDIJ affichera une fenêtre de notification indiquant que la réparation a été effectuée. Vous pouvez cliquer pour voir la vidéo réparée et exporter les vidéos. Et comme tu peux le voir, il a réussi à réparer les vidéos endommagées assez simplement et rapidement. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu récupérer toutes vos données. N'hésitez pas à liker cette vidéo, de la partager avec vos amis, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.